La ville de Boggiardo est située au cœur de la province de Lecce et elle s'étend dans l'arrière-pays adriatique de la péninsule salentine. Le territoire fait partie de l'union des communes Terre d'Orient avec Otranto, Muro Leccese, Uggiano et Giurdignano. Le riche paysage plat entoure l'agglomération urbaine et près de la serre de Boggiardo. Le territoire est caractérisé par la présence de 12 collines qui enrichissent le patrimoine naturel. Des terres boisées s'étendent vers le territoire de la ville de Minervino. Il s'agit d'importants espaces verts où triomphent les exemples les plus marquants de la faune et de la flore méditerranée. Le territoire fertile et riche en eau a permis le développement pendant des siècles du secteur agricole, qui aujourd'hui encore occupe à Boggiardo une place importante pour la production des céréales et la culture des oliviers. Dans ces terres, l'anthropisation de l'homme est très ancienne et elle remonte notamment à la période de la civilisation messapienne, lorsque le territoire était dominé par l'imposant village de Vaste, aujourd'hui hameau de Boggiardo. La ville de Boggiardo conserve un patrimoine historique artistique significatif, une histoire millénaire qui va des Messapiens à la période byzantine, pour arriver jusqu'à l'époque moderne, avec les familles nobilières qui encouragent la construction de magnifiques bâtiments et palais. À partir de 1572, la ville a accordé sa protection au prélat de Castro, qui se réfugièrent à Boggiardo à cause des incursions des Turcs qui menaçaient le siège épiscopal, puis supprimé en 1818. À Boggiardo, la beauté historique artistique se combine parfaitement avec la grande attention accordée à l'accueillance. Une communauté qui a pour objectif principal le tourisme culturel, et pour cette raison, elle est capable d'offrir l'authenticité des lieux et une hospitalité compétente.